Laurent Houtan, grand singe au pelage roux. Le plus solitaire des primates anthropoïdes qui ressemblent à l'homme et plus grand mammifère arboricole au monde, Laurent Houtan se distingue par sa fourrure rousse et ses bras immenses. Cap vers l'Asie pour rencontrer le seul grand singe à vivre en dehors de l'Afrique. Laurent Houtan est le plus gros mammifère arboricole, le seul des grands singes à passer sa vie entière dans les arbres. Du matin jusqu'au soir, il se déplace de branche en se servant de ses mains et de ses pieds en crochet pour assurer ses prises. Ses mouvements sont habituellement lents et réfléchis, ses gestes calmes et posés. Tirant parti de son poids élevé, il fait fléchir la branche ou le tronc où il se trouve et se balance avec son support jusqu'à attraper avec son long bras une branche de l'arbre voisin. Il progresse lentement à la recherche de sa nourriture, ainsi suspendu à plusieurs mètres du sol, ce qui le met à l'abri des prédateurs terrestres, la panthère, le tigre, qui survit encore à Sumatra, et l'homme. Ses déplacements restent toutefois modestes, de 300 à 800 mètres par jour en moyenne, dépassant rarement 1000 m. Sa vitesse tourne autour de 0,35 km par heure. De toute façon, l'abondance de la végétation rend la progression difficile dans la forêt équatoriale. Seuls les grands mâles descendent parfois à terre, leur taille les protégeant mieux contre leurs ennemis. Durant ses brefs séjours sur le sol, il se déplace à quatre pattes mais n'utilise pas la démarche en appui sur le poignet des mains, caractéristique des gorilles et des chimpanzés. Tous les soirs, chaque orang-outan se fait un nid dans les arbres. Pour le construire, il casse quelques branchages qu'il dispose autour de lui sur la fourche d'une branche maîtresse à environ 20 mètres du sol. Puis il recouvre cette structure de lianes, de brindilles et de feuilles pour la rendre plus confortable et douce à ses fesses nues comme celles de l'homme et donc fragile. À la différence d'autres singes, Laurent Houtan est dépourvu de callosité fessière. Seul le tout jeune enfant dort avec sa mère. Le nid des adolescents est à peine moins bien fini que celui des adultes. Leur technique de fabrication du nid est tellement au point que l'ensemble de l'opération ne dure que quelques minutes et permet ainsi aux orang-outans de changer de couche chaque jour. À la différence des gibbons qui habitent aussi les forêts du sud-est asiatique, l'orang-outan, malgré ses grands bras, utilise peu la brachiation, ce mode de déplacement caractéristique qui consiste à prendre appui presque uniquement sur les mains et à se balancer d'un bras sur l'autre. Laurent Houtan est essentiellement frugivore. Son régime se compose pour les deux tiers de fruits, durian, jacques, mangue, litchi, mangoustan, figue. C'est le plus gros mangeur de fruits de la planète. Mais il se nourrit également de feuilles, de lianes, de jeunes pousses et de petites proies animales comme les termites, les fourmis, voire le contenu d'un nid d'oiseau. Pour compléter son régime, il descend parfois sur le sol afin d'avaler un peu de terre, riche en sels minéraux. Enfin l'eau, qu'il boit volontiers, ne manque pas dans la forêt tropicale humide. Mais la caractéristique alimentaire la plus intéressante de cette espèce est sa consommation d'écorce, rare chez les autres singes. Laurent Houtan dispose à cet effet de deux grandes incisives encadrées de deux plus petites, particulièrement efficaces pour racler les troncs et les branches. Grâce à sa mâchoire puissante,
il peut aussi broyer les végétaux coriaces ou les coques des fruits. Les arbres à fruits sont nombreux dans la forêt indonésienne et malaise. Le ficus est l'un des plus répandus, avec plusieurs dizaines d'espèces qui s'étagent du niveau de la mer jusqu'à plus de 1500 mètres, altitude que ne dépasse jamais l'orang-outan. Mâles et femelles ne sont pas directement en compétition dans la quête de leur nourriture. Chacun a son domaine. Le mâle, plus lourd, s'alimente plus près du sol. Inversement, la femelle prospecte les niveaux supérieurs de la forêt, souvent en des endroits que les grands mâles ne pourraient pas atteindre. Par ailleurs, les femelles mangent en moins grande quantité que les mâles, mais, pendant la gestation ou la lactation, il leur faut des aliments plus riches. Ce qui revient à dire que les deux sexes n'ont pas les mêmes choix alimentaires, les conflits en sont réduits d'autant. Quand plusieurs orang-outans se rencontrent autour d'un grand arbre couvert de fruits, les animaux se nourrissent ensemble, en respectant une apparente neutralité. Quand un long cri terrible retentit dans la jungle de Bornéo ou de Sumatra, les indigènes disent que c'est l'orang-outan qui pleure son épouse humaine échappée de son nid. Ce grand singe roux solitaire a des mœurs si secrètes que bien des fables ont couru sur lui avant qu'on ne connaisse réellement sa vie. Le grand mâle est aussi le père que les femelles choisissent de préférence pour leurs petits. Il leur offre, sur le territoire qu'il habite, toutes les garanties de paix et de nourriture. La femelle attire le mâle quand elle est réceptive, pendant 3 à 4 jours sur un cycle de 30 jours. L'accouplement a lieu dans les arbres. À la différence de la plupart des autres singes, il se fait généralement face à face. Les deux animaux restent quelques jours ensemble, se déplaçant de concert, mais dormant chacun dans son nid. Il arrive aussi qu'une femelle subisse un accouplement forcé avec un mâle subadulte, même si elle n'est pas réceptive, ni donc fécondable. En ce cas, l'accouplement est beaucoup plus rapide. En général, cela n'arrive qu'avec des femelles subadultes, les femelles adultes étant assez fortes pour repousser les assauts non désirés de la part des jeunes mâles. Le mâle dominant ne laisse les plus jeunes féconder les femelles que lorsqu'il est devenu stérile, passé ses 30 ans. Cela ne l'empêche pas jusqu'à la fin de ses jours de transmettre son savoir et de défendre son domaine. Quand la femelle s'est accouplée et qu'il y a eu conception, un bébé orang-outan vient au monde après 260 à 270 jours de gestation. Les naissances sont très espacées chez les orang-outans. Dans la nature, on a pu observer que les femelles mettaient au monde, en moyenne, un nouveau-né tous les 6 à 8 ans, soit au mieux 3 ou 4 petits pendant la période fertile de leur vie. Elles ont généralement leur premier petit entre 12 et 15 ans et cessent de pouvoir se reproduire à 30 ans environ. C'est donc un système de reproduction très lent puisqu'il est fondé sur quelques petits seulement. Il faut des mères particulièrement attentives et des jeunes tout bien portants. Le renouvellement de l'espèce est facilement compromis en cas d'épidémie ou de prédation, par l'homme par exemple. Un orang-outan adulte ne connaît pas de prédateurs, les tigres et les pitons s'en prenant essentiellement aux jeunes.
la surexploitation forestière, coupe de bois, conversion en terres agricoles, monoculture de l'huile de palme et les incendies comptent parmi les principales causes de la perte de son habitat, bien que protégé dans tous les pays où il évolue. L'orang-outan est braconné et ses petits vendus comme animaux de compagnie. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a classé l'espèce en danger critique d'extinction. En plus de la baisse drastique de ses effectifs au siècle dernier, la pression humaine constante pourrait provoquer la disparition de l'animal à court terme. L'espérance de vie de l'orang-outan est de 55 à 60 ans en captivité et de 30 à 45 ans à l'état sauvage. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.